Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Dragon Ball Universe. On va parler spécialement du film Broly avec Vega, notre expert Dragon Ball. Salut Salut tout le Vega. monde. Voilà. Salut Stein. Ah, salut, salut. Vas-y, du coup, je vais t'essayer d'introduire le film Broly parce que tu t'y connais beaucoup plus que moi en Dragon Ball. Ah, tu sais, je pense que ça va être simple, hein. C'est un film qui s'intègre parfaitement dans la continuité de la série. Donc il est totalement canon la série. Et c'est ce qui pose quelques petits problèmes, on va dire pour nous, en fait. Même de sacrés problèmes, parce que la série est quand même de très mauvaise qualité, hein, faut le rappeler. Ah, pas toute la série quand même. Mais une bonne partie. Une bonne partie. Ouais, t'enlèves l'arc Zamasu, c'est fini, quoi. Moi, Attends. je vais te dire une chose. En fait, le problème en fait, de la série, c'est d'avoir mis l'arc Battle of God Resurrection Frieza. Ça, c'est une grosse couille, en fait. Ça aurait été beaucoup mieux de les laisser en film. Ouais, déjà, ça, c'est une belle arnaque. C'était pour Voilà. gagner de l'argent et du temps. Oui, probablement. Mais ça Mais servait à même au-delà rien, de hein. ça, c'est. Ouais, ça va rien en plus. Au-delà de ça, c'est quand même pas très bon, à part Zamasu et quelques épisodes du Ouais. tournoi final, là. Surtout Vegeta qui a une rupture d'anévrisme dans l'arc Battle of God. Tu te rappelles là? C'était pas mal, ça. C'était ridicule. C'était ridicule. Ouais. C'était quelque chose, c'était sympathique. Bref, Et du coup, juste. ce film Dragon Ball qui fait la suite du tournoi du pouvoir raté avec Jiren face de l'ombrique qui sert à rien. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que Jiren, c'est dommage parce que. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec le personnage et ça a été mal exploité. Comme beaucoup de personnages, on va dire, hein, du tournoi. Oui, Il y bah, avait du Jiren, potentiel. Hit, Brolette, tout ça, quoi. Ah bah alors, Brolette, je crois que c'était le pire, ça. Je pense que c'est la pire écriture de personnage. Mais du coup, au final, est-ce que Brolette, c'était pas une façon de tester auprès des fans l'attirance qu'ils ont pour Broly pour en faire un film après? Si, je pense qu'en fait, avec Kale, c'est Kale, je crois. Kale, en Ouais, un fait, truc du genre. c'est le super saiyan légendaire de l'univers 6, quoi. Faut pas aller C'est chercher plus ça. loin, c'est un concept, on va dire. C'est un concept pour le film, je pense. Ouais, c'est ça, c'est un peu le prototype, quoi, le pilote. C'est ça. Et du coup, vas-y, ouais, le film Dragon Ball, là, je te laisse introduire vite fait Ouais, parce que la à quoi série, ça quand même. parle, tout ça. On s'était un petit peu égaré sur la série. Ouais, Ouais. un peu de rancœur quand même. Oui, un De peu, ouais. beaucoup. C'est vrai, rien n'est déçu, ça aurait pu être mieux, quoi. Mais oui, le film. Après, c'est vrai qu'il y aura un petit peu de spoil quand même, faut préciser, hein, parce que Ouais, forcément. même potentiellement beaucoup, hein, si c'est Oui. vrai, ce qui a été dit. Bah, c'est sûr à 100%, hein. Ça a été confirmé à 100% par BBS. Oui, donc Voilà. c'est... Ouais, voilà quoi. Donc, moi, ouais, ce qui me pose problème dans le film Dragon Ball. C'est cette échelle de puissance qui n'est pas respectée et qui, pour moi, détruit l'œuvre, d'une certaine manière. Déjà, on avait eu des échelles de puissance qui n'étaient pas respectées dans la série. Et j'ai l'impression que dans le film, c'est encore plus accentué pour le spectacle, on va dire. C'est peut-être pour le spectacle, mais c'est exagéré quand même. Enfin, Gogeta est quand même censé être moins fort que Végéto et, selon le film, il est peut-être plus fort que Beerus, quand même. Oui. Ouais, mais on va dire que c'est parce que maintenant les personnages indépendants sont plus forts et du coup quand ils fusionnent, bah forcément c'est plus fort. C'est surtout parce que Gogeta arrive après, moi je pense tout simplement. C'est qu'il y a toujours cette surenchère de puissance. Forcément, ils n'avaient pas trop le choix. Hein. Quand tu introduis Gogeta dans le film, tu vas pas le faire au niveau de Végéto, hein, sinon il se fait éclater par Broly. Hein. Ouais. C'est ça le souci. Mais il y a un autre problème aussi, c'est que Gogeta au final il servira pas à grand chose à part vendre une figurine de Gogeta aux cheveux bleus, quoi. Après, ça peut être intéressant. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de le voir apparaître en normal déjà. Je pense déjà, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que c'était une petite incohérence du film 12 quand il apparaît directement Super Saiyan. C'était classe, hein, je dis pas le contraire. C'était vraiment classe hein, comme arrivé. Hein. Mais c'est vrai que c'était un petit peu bizarre quand même. Ouais, après moi j'ai pas un grand amour pour ce Si, film fusion là. ouais, ça, je sais bien. Vraiment pas quoi. Bah, n'empêche, il y a Vekku aussi, ça aide pas, quoi. T'as Vekku, Ah bah d'ailleurs Vekku il me semble qu'il revient dans le film Dragon Ball. Oui, et puis il y aura aussi la version maigre. Ouais, c'est génial. Dans la joie et la bonne humeur. Ouais, ça va être terrible. Bon, après, il n'y a pas que des mauvaises choses. Hein. Après, là, on est en train
Les gens, ils vont croire qu'on est anti-Dragon Ball. Non, 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 y a des bonnes choses quand même. Notamment, les Non, bonnes mais... choses pour moi, c'est l'arrivée de Gogeta, même si c'est un petit peu fanservice, un petit peu fanboy. Ça peut être intéressant quand même de le revoir. Non, ça peut être bien quand même. Ce qui peut être bien aussi, c'est le potentiel futur. Ce que ça va introduire, ce que le film va introduire dans la série, qui devrait reprendre dans les années à venir ou les mois à venir. Ah, c'est encore ouais, c'est pas officiel, mais il y a quand même de grandes chances que la série revienne. Hein. Selon plusieurs youtubeurs, même certains qui ont des sources auprès de la Toei. Ouais, non, franchement, il y aurait vraiment de grandes chances que la série revienne. De toute façon, en toute logique, hein. De toute façon, c'est une série qui marche. Dragon Ball, c'est en termes commerciaux, c'est de la folie, quoi. C'est presque du niveau de Star Wars. L'arrêter, ça serait stupide, quoi, pour la Toei. S'ils veulent faire de la thune, faut Oui, c'est continuer. clair. Ah, et puis ils ont introduit bon nombre de personnages quand même et bon nombre d'univers, donc ce serait dommage d'arrêter maintenant. Oui, ce serait stupide. Regarde, ils ont introduit Jiren, son maître qui se fait tuer par un démon. T'as quelque chose à exploiter avec le maître de Jiren qui se fait tuer par le démon. Broly, qui arrive dans le film tout simplement. Broly, on sait très bien que. On sait maintenant par les spoilers hein, qu'il ne mourra pas à la fin du film. Oui, Bon, qui sera, ouais. comment on va dire, gracié par Goku et remercié avec quoi? Une voiture? Non, qu'est-ce qu'il lui apporte? De la bouffe Une et une maison et de la maison? bouffe, Ouais, ouais. la bouffe et une maison. Ouais, bah là on est sur du Dragon Ball 100%, quoi. On est sur de l'humour à la Dragon Ball. Oui, totalement. Bah, c'est du Akira, hein. Du Quand même, Akira, c'est. ouais. Là pour le coup, on peut rien dire, c'est du Akira. Même Ouais, si j'aime pas, totalement. mais c'est du Akira quand même. Bah, Akira fait des bonnes choses. Bah, Dragon Ball Z qui était plus sérieux, mais c'est vrai que ses gags, son humour un petit peu pipi caca, c'est vrai que c'est Ah pas bah ma oui, tasse de thé, quoi. là on va être dedans quoi. Genre Freezer qui fait un vœu pour être plus grand de quelques centimètres, sans déconner quoi. Mais alors ça, c'est totalement incohérent. Franchement, même si c'est du Akira, je trouve que c'est totalement incohérent. C'est pas Freezer. C'est pas Freezer. Bah oui, non, c'est du gag quoi. C'est histoire de mettre Freezer avec sa voix insupportable, rigoler et tout, être Oh, déçu quoi. la VF. Non, la VF est insupportable. Ouais, Dragon Ball. je parle en VF, Oui. bien sûr, si le film est traduit en VF, s'il sort en France, Ah non, faut que ce soit en potentiellement VO. sur Netflix. Oh oui, par contre, bien sûr, ce sera en VO. Moi, la VF, là, insupportable. Oui, bah c'est vrai. Mais les gens vont croire que je suis anti-VF, mais honnêtement, franchement, pour avoir regardé quasiment toute la série jusqu'à l'épisode 96 en VF, la VF est insupportable. À Non, part de toute quelques façon. passages, mais faut avouer que c'est globalement très enfantin quand même. Bah, spécifiquement la transformation de végétaux bleus, comme ils disent. Alors là, j'en fais encore des cauchemars. Ah, Exceptionnel, quoi. On était sur une pub ah. Playmobil et encore, quoi. Ah, Quoique même c'est. Playmobil s'est payé Donald Renew pour une pub sur les pompiers, mais bon. Non, moi je comprends pas ce délire en mode Power Ranger ou Vegito Gueule en disant Vegito Bleu, tu vois. On croirait du Pokémon, Power Ranger, Ah ouais, on est sur de l'enfantin, Ouais, 100%, quoi. totalement. C'est pas sobre comme arrivé, Ouais. Bon, du coup, sinon, on va se recentrer un peu Oui, sur ce sur que la. tu attends du film. Enfin, genre, ouais, ce que tu attends, ouais. Bah, clairement, ce que j'attends du film, on va dire du spectacle. Hein. Ouais, une belle animation, tout ça, du spectacle. On aura une très belle animation et puis de très beaux combats, je pense. Regarde, par exemple, le combat de Gogeta et Broly, apparemment, qui vont se battre dans une autre dimension. Ça, je pense que ça peut être pas mal. Ouais. Bah si c'est pas une dimension vide et pas travaillée comme le tournoi du pouvoir, ouais, ça peut être pas mal du tout. Mais techniquement, tu vois encore cette histoire de brèche de temps. Ça pose encore des incohérences en fait. Bah ça, Techniquement. ouais. Parce que on sait très bien que le combat Beerus Goku, c'était quand même un combat de niveau divin, et il n'y a eu aucune brèche de temps. Ouais, c'est ça, ils se sont juste. Il y a quoi? Ils annulaient leur coup en se tapant Ouais, de façon apparemment. diagonale, je sais pas quoi là. Oui, apparemment, Beerus était capable d'annuler la puissance des coups. Enfin, c'est un truc du genre, c'est. Ouais, c'était une arnaque comme ça, bah, c'était Ouais. une flemme de dessiner, du coup on faisait des traits dans le ciel, on fait ils vont trop vite pour notre œil. C'est Ouais, ça. bien sûr. Et quand il pense à une autre incohérence, je reviens à la Zamasu, mais c'est pareil, hein, quand t'as le combat Végéto Blue contre Zamasu, je pense que tu peux avoir des failles temporelles, hein, tellement ils sont puissants les deux. Ah bah oui. C'est. Ouais, franchement, tu vois, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Après, faut pas se poser trop de questions, on va dire.
Non, non, après, c'est voilà, c'est reste du commercial et c'est un produit dérivé et pas une œuvre originale. Ça. Sinon, on n'a pas fini, hein, si on se posait toutes des questions sur les incohérences. Oui, Hein. bah, sinon, ça reviendrait à se poser des problèmes de scénario sur Star Wars 7 et 8, quoi. Donc, bon, en termes d'incohérence, on est pas mal. Ouais, je pense. Mais du coup, tu penses que. T'en penses quoi? Enfin, je veux dire du futur de Dragon Ball, l'arc qui arrivera prochainement, je pense, enfin, la Ouais, nouvelle alors moi, série. étonnamment, j'ai adoré Jaco en manga et avec le Dragon Ball Minus qui était réédité chez Glénat il y a pas longtemps, là, enfin non, il y a un an et demi, je crois. Et je pense que ouais, ça peut être sympa d'étudier la Patrouille Galactique dans ce prochain arc, même si bon, le design du méchant est travaillé, mais vraiment, j'aime pas du tout quoi. Un bouc, quoi, sans Moi non plus, déconner. je suis pas fan du tout. C'est vrai que. Après, c'est vrai qu'il fait méchant, hein, mais. Après voilà, contrairement à Jiren qui était tout plat, Oui. tout nul, tout lisse, là on est sur quelque chose qui a du relief, qui travaillait, qui a de la profondeur dans les ombres et tout ça, j'ai trouvé sur les premiers designs. Mais ouais, je sais pas, j'ai peur, j'ai autant peur que ce que je suis hypé. Moi, je suis pas très hypé. En fait, je veux être surpris. Je veux être surpris parce que c'est vrai que je ressens pas trop de hype. Et j'espère que Toyotaro va nous surprendre en nous mettant plusieurs antagonistes. Je pense que ce méchant là qui est teasé, là, le bouc, je pense que ce n'est Ouais. pas le seul antagoniste. À mon avis, je pense que ça doit être un Soit ça, soit sorte de. il a beaucoup de transformations, genre violentes. Je sais pas si on sera sur un délire de transformation. Tu veux qu'il se transforme en quoi le bouc? Claro. En kebab. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura plusieurs antagonistes et ça va être un délire, je pense, avec des démons, tu vois. Genre, clairement, on te tease dans l'arc Ouais. d'avant. C'est vu que dans le même chapitre, on te tease les démons et le Ouais. bouc juste après. Hein. Et puis surtout, on te tease le fait que les anges ne peuvent pas ressusciter les victimes de démons. Ouais, c'est ça. Donc, Et en fait, ça, ça. c'est pas bête, c'est vachement intelligent parce que ça crée Ouais. enfin de l'enjeu dans la mort des personnages qui a disparu totalement Bah, totalement. Mais déjà, quand depuis un t'introduis. bail, hein. Déjà, Whis. Le problème, c'est que ce mec décrédibilise, on va dire, toute menace. Il est capable de réanimer, enfin de ressusciter quelqu'un. Il est capable de faire naître un gosse, comme ça. Ouais, sans douleur et tout ça, ouais, c'est trop Ouais, folie. il a tout. Ce gars a tous les talents. Donc, Ouais, non, c'est clair que ouais. Bon, après, bon, ça, c'est un arc, on a que quelques pages dessus, donc on verra. Oui, après, Ça oui. sort dans quoi? Dans 3 semaines, le prochain chapitre? 2 semaines? Ouais, 3 semaines maintenant, Trois je crois. semaines, ouais, bon, là, on verra, ça sera dans le concret. Logiquement, le chapitre, l'arc devrait être bien avancé quand la série animée devrait reprendre. Oui, parce que je Logiquement. pense qu'elle reprendra fin 2019, hein, je pense la série septembre, octobre, Ouais, moi je vois ces bien, ouais, je vois eaux-là. peut-être un peu plus tôt, je reviens en juillet-août. Ouais. Après, tout ça, c'est des hypothèses, hein, on n'est pas encore sûr. Hein, Ouais, c'est des hypothèses, c'est mais de la ça doit fiction reprendre. totale. Oui, si ça doit reprendre, ça sera dans ces eaux-là, quoi. Mais à voir, à voir, à voir. Ah, il faut qu'il nous surprenne, hein, le petit Toto. Hein. C'est tout ce qu'on demande. Hein. Ouais, Ouais. parce que là, pour ce qui est de son arc du tournoi en manga, c'est pas bon quoi. Ah, mais Enfin, y a rien de bon quoi. tu sentais qu'il ne voulait pas le faire, tout simplement. Tu Ouais, sentais qu'il. quand tu vois C-17 Ouais. qui te lâche un on est enfin débarrassé de ça, t'es là genre ah ouais c'est pas mal la conclusion, c'est expéditif, une planche et c'est Ouais. fini quoi. Bon, d'ailleurs, c'est 17 qui était trop très bien écrit dans l'animé et qui est mais, négligé par le manga. Comme Vegeta, comme tous les persos d'ailleurs. Le manga sont négligés. Ouais, oui, bah surtout Gohan, enfin je suis pas un grand fan de Gohan, mais bon faut avouer que le traitement de Gohan il est catastrophique. Déjà qu'il Presque autant que Vegeta. était un petit peu négligé dans l'animé déjà, Gohan. Ah oui, il était Déjà. carrément négligé. Le survêt de Gohan Et. toute l'île, vive à l'Algérie, voilà quoi. Non, non, je te parle de l'arc tournoi. Je vois. Ah oui, quand il revient avec son faux Oui. power-up. Oui, et quand il se fait éliminer en se sacrifiant pour emmener Dispo avec lui. Voilà. Il tient Dispo et il dit à Freezer, oh, Freezer. Voilà. Donc c'était pas très Ouais, très ça. épique, si on va dire. Pas épique du tout même. Moi je me souviens quand il essaie de se transformer là avant les tournois dans le remake de Fuketsu no F,
et qui convulse et qui fait une rupture d'anévrisme presque en train de se transformer. Ah oui, c'est vrai, c'était plutôt drôle, je pense. Là, je pense que l'avenir du personnage, il était tout tracé dans la série, quoi. Oui, c'est vrai. Après, à la limite, si c'était pour nous ramener comme dans le tournoi du pouvoir, autant pas le mettre. Autant le laisser à sa vie de famille et puis voilà. Ah bah là, oui, ou même le supprimer, là. Clairement. Mais je sais plus ce que je voulais dire, j'avais un truc à dire sur Marc. Oui, je sais, à mon avis, je sais, c'est par rapport à Bou et au fait qu'il ait absorbé le mec, là. Non, c'est pas ça. Le mec qui sommeille, hein. Il y a un mec qui sommeille. Oui, non, mais ça. Ah oui, non, mais ça, c'est incohérent aussi, hein, parce que normalement, il est censé ne plus exister, hein, du tout. Hein. Il est censé avoir fusionné carrément avec Bou. Il l'avait dit, hein, manga. Que le Kaioshin, là, que. On parle... Non, mais attends, faut préciser de quoi on parle. On parle bien du grand Kaioshin, qui est mort il y a des millions d'années, tué par le petit Bou. C'est ça. Originel. Donc, oui, quand il a été absorbé, c'était il y a des millions d'années. Et donc, dans DBZ, ils expliquent que le grand Kaioshin n'est plus à l'intérieur de Bou, puisqu'il aurait fusionné complètement avec la matière, en fait. C'est ça. Tellement d'années les séparent. Ce qui est logique, hein, ce qui est logique, mais je ne comprends pas pourquoi maintenant ils veulent le faire revenir. Enfin, si, c'est pour ses pouvoirs, mais ils ne peuvent pas techniquement le faire revenir. Ouais, mais là, on ramène un peu à la vie un personnage qui avait disparu genre depuis très longtemps, et ça sert juste de prétexte en réalité. Totalement, parce que s'ils veulent pas se faire chier, bah ils prennent les Dragon Ball. Simplement. Bah voilà ça, genre je vois pas l'intérêt d'aller chercher Bou, tu prends des super Dragon Ball, donc ça y a rien qui te résiste. Ou les Dragon Ball de la Terre, hein. Oui, oui. C'est, ça paraît logique, hein. Puis là, en fait, apparemment, il est toujours à l'intérieur de Bou. Apparemment. Donc ça, on verra bien aussi. Après, ça peut être intéressant, il ramène un personnage de DBZ qui n'a pas été exploité. Ouais, on verra. Sûr. Non, il n'a pas été exploité du tout, donc après, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant de voir ce que ça donne, tu vois. Mais ça, c'est encore un truc, ça, c'est le fait que dans l'univers 7, il y avait 5 Kaioshin. C'est quand même bizarre qu'on ne voit que un Kaioshin par univers. Je me suis posé la question, c'est quand même... C'est vrai. Ça, à mon avis, c'est une facilité d'écriture, je pense. C'est vrai, ouais, je pense que... On est sur une facilité, une flemme de designer quelque chose et d'écrire quelque chose. Après ça, on peut pas trop leur en vouloir, parce que quand t'as 120 personnages à écrire, à dessiner, je pense que si tu commences à faire 5 Kaioshin par univers, ah, t'as pas fini. imagine déjà le nombre de personnages qui ont été négligés dans cet arc, imagine s'ils avaient encore plus, s'ils avaient augmenté le nombre de personnages, ça aurait été encore pire. Donc, à la limite, ça, bon... À mon avis, on serait passé à deux doigts de Goku qui se bat contre des bonhommes bâtons, quoi. Quand bah, tu c'est vois, ça, c'est quoi, c'est quel univers là qui avait les Thibaut in Shape bis? Thibaut in Shape bis. Ah, c'était le 10. Ouais, c'était le 10. On est sur une flemme de dessin, mais monstrueuse. Ouais, où ils prennent des protes et tout avant les combats. Ouais. Surtout que c'était totalement nul. Honnêtement, il n'y en avait que un qui était pas mauvais. Et Gohan l'a sorti en deux. Donc... Ouais, ils étaient éclatés, quoi, vraiment. C'est ça que je voulais dire par rapport là. Je rebondis sur le manga. Ce qui était incohérent, je trouve, dans le manga, c'était l'écriture des personnages comme Goku et Vegeta. T'as pas remarqué que, par exemple, Goku, qui dit, quand il se transforme en Ultra Instinct, il dit qu'il doit abandonner les choses superflues. Ouais. Tout ce qui l'entoure pour se transformer. C'est-à-dire, on va dire, ne plus penser à sauver ses amis, faire le vide et tout. Ouais, et tout ce qui est sentiment et tout ça. Ouais. Ouais, et ça, j'ai trouvé que c'était vachement quand même. Ah, c'est pas Goku. C'est pas du tout le Goku. Justement, Goku, ce qui le caractérise. C'est sa force avec les amis et tout ça, et oui. D'où le Genki-Dama dans Bou. Cette bonté naïve, enfin, cette naïveté pure, en fait. C'est ça qui le caractérise. Et à ce moment-là, c'est vrai que. C'est pas du Goku. Aussi Vegeta, tu sais, Vegeta quand il se bat Oui, c'est contre Jiren. Quand Vegeta débloque une sorte de Super Saiyan Blue maîtrisé. Ah oui, le Super Saiyan Blue 2, là, ou je sais pas quoi. Là. Ouais, enfin, c'est entre le 1 et le 2. Et il se bat avec Jiren et Vegeta te sort un discours
Ni queue ni tête. J'ai trouvé que c'était incohérent. Je retrouve le discours, mais ça m'avait choqué parce que c'était pas non plus du Végéta, quoi. Je C'était. me souviens plus du discours. C'est pas le discours où il dit qu'il faut se battre en équipe et tout ça, là? Non, c'est le discours où il dit qu'en gros, pendant que les autres ne faisaient rien, lui, il s'entraînait. Alors Ah que. oui, là où il Alors dénigre les autres. Qui dit que. Ouais, en gros, alors que. vous, vous êtes des merdes, moi j'ai passé ma vie à m'entraîner. Ouais, voilà. Ça, j'ai trouvé ça incohérent parce que enfin, je me rappelle que les autres aussi s'entraînaient. Hein. Ben Même beaucoup oui. n'ont pas arrêté de s'entraîner, donc je comprends pas. Je comprends pas ce que ça foutait là, quoi. Ouais, c'est assez bizarre. Et d'ailleurs, je pensais à un truc, c'est Freezer. Tu penses qu'il a quel avenir, toi, dans la série? Freezer, il servira d'ennemi récurrent, qui reviendra de temps en temps. Ouais, pour faire transiter entre les arcs. Non, non, je pense pas, tu vois. Même pas, non pas ennemi shielder, je pense que Freezer, ça va être l'ennemi qui vient casser les couilles de temps en temps. Et moi, je pense surtout aussi qu'il va servir pour le prochain tournoi qui arrivera. Ça, c'est une petite prophétie, ça. Mais je pense qu'il y aura un nouveau tournoi qui reviendra Ouais. avec les 12 univers. Et je pense clairement que tu auras Broly et Freezer. Et avec Broly, ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Moi, je pense à quoi sert Freezer. Freezer, il sert d'ennemi récurrent. Le mec, il va revenir de temps en temps casser les couilles. Ouais, c'est je le vois bien comme ça aussi, moi. Un Ouais. peu une sorte de comic relief méchant qui est là, qui revient souvent, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le mec qui vient mettre des bâtons dans les roues à la Z-Team de temps en temps, tu vois. Après, Ouais, mais de façon comique la plupart du temps, quoi. oui, voilà. Je pense pas qu'il va revenir en tant qu'allié. Je pense pas, tu vois. Non, je Ouais, non, pense ça que serait bizarre. ça sera un antagoniste secondaire. Voilà, je pense. Ouais. Après, il y a des arcs qu'on ne verra pas, je pense. Clairement, je pense qu'il va faire ses bails de son côté, et puis voilà, il va conquérir des planètes, il va faire ce qu'il fait d'habitude. Tu Ouais, bah, faut espérer qu'on le voit pas trop, parce que même si c'est un super méchant, il est bien exploité là quand même. Enfin, je veux dire, il est ça. trop exploité quoi. Ouais, peut-être trop exploité, je suis d'accord. Genre, il y a combien, il y a quoi? Il y a deux films déjà dessus? Même plus, hein. Ouais, plus que ça, attends, je suis en train de réfléchir. Si tu comptes les non-canons, Ouais, en comptant les non-canons, ouais. non, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Parce que Fusion, Broly il est dedans, Fusion il est dedans. on le voit apparaître dans Fusion, ouais, il se fait one shot par Gohan. Ouais, c'est ça. Résurrection Freezer, clairement, Ouais, forcément. ouais, Dans la c'est revanche juste des de films. Kula, il y est ou pas? Non. Non, si on le voit, mais c'est un flashback. Ah, bah, le Ouais. père de Son Goku. Ouais, voilà, Pendant ouais, qu'on dit qu'il se l'épisode bat, tu de vois. Batak. Ouais, Ouais. voilà. Non, tu Ouais, le vois donc il quand même apparaît 5 souvent, fois. quoi. Ouais, c'est pas mal. 5 fois, ouais, c'est pas mal. Plus ces arcs narratifs dans la série, donc ça fait quand même Oui. beaucoup de fois quoi. Je me pose une question si. Voilà, si je suis encore dans l'hypothèse. Mais le tournoi, je me demande si on le verra au tout début de la prochaine série ou si on le verra à la fin. Ça, c'est la question que je me pose. Au tout début, je pense pas, parce que je pense qu'ils vont laisser le temps au manga d'avancer et ils vont suivre la trame du manga pour être moins dispersés, et après seulement ils passeront au tournoi, je pense. Ouais, mais je pense que le tournoi peut partir en couille cette fois-ci, tu Ah bah ça serait bien, parce que c'était un peu ce qui était prévu à la base pour le tournoi du pouvoir. vois. Enfin, oui, non, oui. C'était prévu, hein, mais. Ah bah il l'avait vendu avec Freezer qui complote avec l'autre Ah, oui, là. non, mais alors ça, je n'ai pas compris. Je sais plus comment il Freezer, s'appelle. Réfrigérateur, je sais pas, un truc du genre. Frost, Frost, Frost. voilà. Freezer qui dit, oui, ce tournoi sera l'occasion pour moi de manipuler les dieux. Je ne vois pas à quel Ouais. moment il a manipulé les dieux. Je ne Je vois dis vraiment pas. au mieux il a manipulé ses 17 et c'est tout quoi. Oui, mais il n'a jamais manipulé les dieux, tu vois. Il n'a pas manipulé Alors Beerus. que dalle. Si, il a manipulé Frost. Clairement, il a manipulé Frost. Mais encore une fois, je me suis demandé à quoi ça servait, en fait, qu'il manipule Frost. Parce que je me suis dit qu'il aurait pu sortir d'un coup, tu vois. Vraiment. Ouais. Et Frost, a tout pété, il a un niveau de Super Saiyan, maximum. Donc, enfin, Freezer, il a quand même une niveau dans Super Saiyan Blue, tu vois. Donc, je pense qu'il aurait pu sortir, il aurait pu one shot, hein, clairement. Oui, J'ai pas il aurait compris. joué. Donc, j'ai pas compris, en fait, ce combat entre Freezer et Gohan, qui font semblant de se battre, pour qu'en gros Freezer gagne la confiance de Frost. Je n'ai pas compris. Bah, si, j'ai compris, tu vois, mais je pense que on aurait pu l'éviter, en fait, tout simplement. C'était évitable.
C'est totalement évitable. En fait, il y a un petit sentiment de. On a écrit les épisodes presque semaine par semaine. Il n'y avait pas vraiment de fil rouge en fait au Non, début. il y a plutôt un petit sentiment de remplissage Ouais, c'est ça. sur certains moments, ouais. C'est impressionnant. Puis en anime, l'histoire de Jiren, on n'est pas passé loin d'une copie conforme de Kakashi, Itachi et Sasuke, quoi. Dans Naruto, vraiment, quoi. Tu Donc vois, on moi, est vraiment pas passé loin. ce qui m'énerve le plus, en fait, avec le tournoi de bois, c'est au final que tu avais juste un univers qui était travaillé, l'univers 11. Tu avais clairement cet affrontement dès le début entre l'univers 7 et l'univers 11. Mais les autres univers, qui en avaient quand même 8, il me semble, qui se sont affrontés, ils ont tous été négligés, quoi. Ils servaient juste de remplissage, De quoi. Ils servaient juste remplissage, à. ouais, Ouais, à c'était faire ça. patienter, en fait, ça servait juste à nous faire patienter, tu vois, jusqu'à ce fameux affrontement de l'univers 7, l'univers 11, quoi. Oui, totalement. Mais ils avaient annoncé combien? 18 univers à la base, dont plusieurs qui étaient détruits. Oui, il y en a 6 qui ont été anéantis par les ennemis. Ouais, c'est ça. Après, ils en annoncent 12, et sur les 12, ils te disent qu'il y en a tant qui vont pas participer parce qu'ils sont trop forts. La Donc en facilité, fait hein. ils ont réduit pour pas se faire chier quoi, c'est tout. Ouais, c'est de la facilité. Après, je peux comprendre. Non, je peux pas comprendre. Non, Comment tu peux parce pas que c'est. comprendre? Non, C'est quoi, non, on est non, un attends. étudiant professionnel. Non, j'allais dire, je peux comprendre, parce que c'est vrai que tu facilites la tâche en faisant ça. Mais je veux dire, ça aurait été bien qu'ils nous mettent directement les 12 univers à part, si justement ils avaient pour projet de nous mettre justement un prochain tournoi avec les 12 univers. Là, pourquoi pas? Ouais, en vrai, j'aurais presque aimé qu'ils fassent des petites séries d'épisodes fillers de 2-3 épisodes sur chaque univers, sans Gogo et tout Aussi. ça, tu vois, juste on présente les univers et Aussi. après on les fait se battre. Moi aussi, je suis d'accord, parce que ça aurait permis qu'on s'attache plus au personnage. Ouais, carrément. Puis Ouais, comprendre ça. l'enjeu politique, l'enjeu tout ça des univers, ça aurait pu être assez ouf. Parce qu'ils avaient annoncé, ils avaient amorcé le truc avec l'univers 6, là, quand on voit Hit qui est dans une sorte de ville à la Blade Runner et tout ça. D'ailleurs, Hit, là tu touches un point sensible. Hit. Sur le tournoi, ouais. Un Ah, point très sensible, ouais. mais je suis tellement, mais je suis tellement triste de voir son traitement, d'avoir vu son traitement. Ah, ils l'ont bâclé dans le Ah, tournoi, c'était une catastrophe. ça faisait peine à voir. Ça faisait peine à voir parce que j'adore Hit. C'est vraiment une de mes plus grosses surprises dans DBS. J'aime vraiment beaucoup ce personnage Ouais, et c'est même la grosse surprise, hein. il a un certain, bah, il a du charisme. T'as l'impression que ce mec-là, il est inarrêtable, tu vois. T'as l'impression que c'est un petit peu le Goku de l'univers 6, tu vois. Enfin, pas dans la mentalité, hein. Je parle juste en tant que protagoniste, en fait, en tant que personnage plus fort de son univers. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dommage comment il se fait sortir salement par Jiren. C'était indigne, en fait, justement, du personnage, cette sortie. Ouais, c'est clair, c'était vraiment catastrophique. C'est Avec surtout. le cri là, il dit quoi? Il fait Ah ouais. oh! Un truc du Ouais, genre il là. crie, il prend une boule dans le ventre, qu'il l'éjecte de l'arène et il crie. C'est vrai que c'est pas. C'était ridicule quoi. Puis c'est surtout qu'en plus, Hit a beaucoup souffert dans ce tournoi. Pourtant, Hit, c'est quand même un personnage qui est très très fort, qui a une habilité incroyable, celle de manipuler le temps, de contrôler le temps. Ouais, on est quand même Et. sur un perso qui manipule le temps à la base, ouais. Ben oui, et puis quand on te dit que Jiren, que le temps n'a pas d'effet sur Jiren, Ah ouais, ça ça suffit. c'était fumé aussi. Ça, c'était vraiment trop beau, ça. Non, mais oui, parce qu'en fait, au début, moi, je me suis dit, quand Vados, non, c'était Vados, hein. Non, c'était Margarito, Vados, non, c'est Vados, qui dit, le temps n'a pas Ouais, d'effet c'est sur Jiren. Vados. Moi, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis imaginé des trucs, putain, mais Jiren, en fait, c'est une entité. Je me suis dit, ça se trouve, Jiren, c'est une sorte d'entité, cosmique, ou je ne sais quoi, et c'est pour ça que le temps n'a pas Ouais, d'effet je sur sais, on en avait parlé à l'époque, ouais. Tout là, genre, Jiren. c'est sûrement quelque chose de divin, quelque chose Oui. C'est ça. Et en de fait. pas humain, en fait, de pas mortel. Et en fait, pas du tout. C'est un mec qui s'est entraîné en mettant des coups dans le vide. Et il est plus fort Ouais. qu'un dieu de destruction. Ouais, non, c'était plus fort que le temps lui-même, du coup, visiblement. Ah oui. Alors que le temps est une force normalement. Bah, tu peux pas la battre, enfin, y a pas d'emprise, quoi. C'est le temps, Exactement. il passe dans tous les cas, y a pas le choix. Et oui, je voulais dire autre chose, justement. Hit, dans le tournoi univers 6-7, lui qui sort dignement dans ce tournoi, Goku qui abandonne. Hit pareil, justement, c'était une sorte de confrontation vers les dieux, mais en tout cas, ils avaient eu une sortie assez digne, assez classe, tu vois, par Ouais, rapport à sa ouais, sortie dans le tournoi du pouvoir.
Je pense qu'il y avait mieux à faire. Moi, j'aurais bien vu It dans la finale. Tu vois, je l'aurais bien vu dans une finale entre l'univers 7 et l'univers 11. Tu vois, ça aurait été plus intéressant d'avoir trois tournois en jeu pour la finale. Ouais, ça c'est clair. Ça aurait été pas mal. Trois Ça aurait été... univers, ça aurait été cool. Ouais. Ça aurait été pas mal. En tant qu'allié de l'univers 7. C'est intéressant. Ouais. Vraiment. Et d'ailleurs, tu penses que l'univers 6, il va avoir quel rôle dans la suite? Je pense qu'il aura quand même un grand rôle, l'univers 6, parce qu'ils nous ont teasé des personnages qui sont jeunes, qui sont encore au tout début de leur développement. Moi, je pense qu'honnêtement, on les reverra. On les reverra et ils auront une place importante dans l'histoire. Ouais, puis il y a Vegeta qui doit rencontrer le roi de la planète Alors ça, de attention. KB, là, ou je sais pas quoi. Attention, ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que oui, ça a été dit dans l'univers 6-7, mais on n'a jamais Ouais. eu aucune mention de Vegeta allant dans l'univers 6. Moi, je pense pas qu'on l'aura pour la suite. Ouais, Je tu pense penses pas. pas. Non, je pense pas. Vraiment, c'est un truc qui est aux oubliettes. On a prévu autre chose, je pense. Mais c'est vrai que ça aurait pu être intéressant. Hein. Ça aurait pu être vachement intéressant, hein, ce côté-là. Vegeta qui part dans l'univers 6. Ce qui paraît qu'en plus, le roi de l'univers 6, enfin, le roi de la planète Sadala, l'univers 6, le roi des Saiyans, c'est quelqu'un de fort, orgueilleux, pardon, comme Vegeta. Ouais, ça serait un peu la version univers 6 de Vegeta, quoi, apparemment. Ça pourrait être intéressant de voir à quoi il ressemble. Je suis curieux. Bah, limite, ce que je te propose, c'est de faire une deuxième émission après, là, pour parler de ça, là, de ce que tu vois dans l'avenir pour Dragon Ball Super, de ce que tu imagines. Ouais, je suis d'accord. Ça peut être intéressant. Et là, on s'en va arrêter ici pour celle-ci, qui fait déjà quand même une trentaine de minutes. Oui, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'on voit pas le temps passer là, quand on parle. Ouais, ça, quand on parle, ça va vite. Ouais. Ça va grave vite. Et bah du coup, merci à tous d'avoir écouté ce premier épisode de cette nouvelle émission qu'on vient de lancer, spécialement Dragon Ball d'ailleurs là. Et on devrait faire quelques autres trucs éventuellement. T'as un mot pour la fin ou pas? Bon non, à part que c'était un plaisir, tout simplement, de faire cette vidéo. Et je remercie tout le Ok, monde. ça marche. Et bah merci. Et du coup, on vous dit pour le prochain épisode, on se retrouve bientôt.